L'autre jour, j'étais bloqué et j'arrivais pas à travailler. J'ai pas de motivation, baisse d'énergie, la flemme. Et ça, quand ça arrive, c'est relou parce que une partie de toi veut avancer, mais une autre partie de toi est là, non. Moi, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai prévu autre chose. Donc, c'est comme si on n'arrivait plus à se contrôler. On perd la maîtrise de soi. Il y a trois choses que j'ai mis en place pour sortir de ça et puis continuer ma journée de travail. La première, c'est de regarder mon design humain, ma charte énergétique. Si tu ne l'as pas calculé, dans mon lien en bio, en description, je mettrai un calculateur. Et tu regardes ton type d'énergie. Donc, moi, je suis générateur d'énergie. Et pour que le générateur d'énergie avance, il doit être dans la joie. Donc, je me suis juste posé la question, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en joie? Qu'est-ce que je peux faire pour kiffer? Et tout de suite, j'ai eu des réponses. Tout de suite, j'ai mis en place ça et mon énergie a augmenté. La deuxième chose que je fais, c'est des pratiques énergétiques. Il te faut des pratiques énergétiques. C'est bien de maîtriser la matière, faire du sport, mieux manger, mais il faut aussi maîtriser ton énergie, les chakras, la kundalini, comprendre la glande pinéale, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est une entité? Qu'est-ce qui se passe en fait? Être capable aussi de développer des boucliers. J'ai créé un petit programme sur la protection énergétique. Si ça vous intéresse, allez voir le site eveilmatique.com. C'est un programme obligatoire, ça. Obligatoire. La dernière chose qui m'a aidé à sortir de cet état-là, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des guides. Il existe des guides spirituels qui nous aident à passer à l'action plus facilement, qui peuvent booster notre motivation, qui peuvent même travailler sur le cerveau, sur la dopamine. On appelle ça les neurosciences. Mais ce n'est pas les neurosciences comme tout le monde fait. C'est des neurosciences spirituelles. C'est-à-dire, nous, on sait quelle énergie gère la dopamine, quelle énergie gère l'acétylcholine, quelle énergie gère la sérotonine, quelle énergie gère les endomorphines. Donc, du coup, en se connectant à ce guide, bam, tu boostes ton cerveau et ta motivation. Et c'est comme ça qu'on avance. Je sais que c'est des façons un petit peu nouvelles, mais on est là pour cela. On ne peut plus fonctionner avec les anciens outils, quoi. La volonté pure, non. Juste faire un burn-out. Il y a des outils énergétiques qui sont magnifiques à utiliser. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi et rejoins aussi notre communauté privée sur Facebook. On fait beaucoup de lives, on est sur YouTube. C'est le bonheur.